J'ai adoré, c'est très agréable à lire. Je suis convaincue qu'il faut tenter le tout pour le tout en lui permettant d'avoir un article dans le prochain numéro. Elle a une écriture moderne. Je pense qu'il faut lui donner sa chance. Réfléchissez, vous me direz. Tu pourrais me scanner ce dossier, s'il te plaît? Qu'est-ce qu'elle a dit? Lève-toi et suis-moi. Oh, elle déteste. Mais non, mais qu'est-ce que tu racontes? Oh, c'est le premier article que j'écris et qui traite d'autre chose que du gluten et je l'ai complètement raté. Tu n'as absolument rien raté. Elle n'a pas du tout détesté. Elle a juste trouvé que tu prenais un peu trop parti. C'était le but de l'article. Tout à fait. Et c'était très bien écrit. Tout le monde sait que tu es très douée, mais reconnais que c'était assez cynique. Cynique? Rien que le titre, par exemple. Le mariage est-il compatible avec le 21e siècle? Franchement, cette question à elle seule implique que tu trouves ça ringard. Ok, peut-être vu comme ça. Je suis d'accord pour changer de titre. Sauf qu'il n'y a pas que le titre. On ne te demande pas une étude scientifique. On veut un article pour un magazine qui parle de tendances. On veut des vraies histoires. Le romantisme, c'est vendeur. Ok, d'accord. En revanche, les personnes qui choisissent de rester célibataires ont le droit de faire entendre leur voix aussi. Je ne te dis pas le contraire. Chacun fait ce qu'il veut. Mais reconnais quand même qu'il existe des mariages heureux de nos jours. Tu ne m'avais pas dit que tes grands-parents avaient été mariés 60 ans? Oui, c'est vrai, mais... Tu vois? Écoute, Anna, depuis que Kyle et toi avez rompu, tu vois tout en noir. N'importe quoi, c'était il y a 2 ans et en plus c'est moi qui l'ai quitté. Oui, mais chaque séparation est difficile quoi qu'il arrive. Surtout quand tu es fiancée. Je suis sûre que ça n'a pas de répercussions sur mon travail. Mais j'ai compris que tu attends autre chose de mon article, alors je vais t'obéir. Je vais écrire ce que tu veux que j'écrive. Et je sais que ça va être génial. Considère que ce n'est qu'une ébauche. Tu vas y arriver. Oui. Oui, tu as raison, je vais y arriver. Oh, zut! Qu'est-ce qu'il y a? Oh, j'avais rendez-vous avec le notaire de ma grand-mère, mais je vais annuler et retravailler l'article. Alors ça, c'est hors de question. Va à ton rendez-vous. Notre article peut attendre. Oh, merci beaucoup. Monsieur Singh? Oh, bonsoir. Bonsoir, Anna Moore. Ah, c'est vous, l'insaisissable Anna. Je vous en prie, entrez, asseyez-vous. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez eu tous mes messages, mais je suis l'exécuteur testamentaire de votre grand-mère, Madame Rosaline Moore. Très bien. Madame Moore était une dame merveilleuse. Oui, oui, c'est vrai, je vous remercie. Vous devez savoir qu'elle vous aimait beaucoup. Elle vous a d'ailleurs laissé tous ses biens. Mais attendez, vous êtes sûr? Tout à fait. Elle n'avait pas beaucoup de liquidités, mais elle vous a laissé ceci. Sa petite maison de Sherbrooke Falls. Vous la connaissez? Mais je croyais qu'elle l'avait vendue il y a 10 années, déjà après le décès de mon grand-père. Non, elle s'y était toujours opposée. Même s'il lui aurait été utile d'avoir un peu plus d'argent. Elle tenait absolument à vous la léguer. Eh bien... Pour officialiser la chose, je vais avoir besoin de votre signature. Elle vous a aussi laissé cette lettre. Et ça, c'est la clé de la maison. Waouh, c'est dingue. Est-ce que tu l'as lu? Non, pas encore. J'ai l'impression que je devrais m'y préparer. Ce sont ses derniers mots. Ouais, je comprends tout à fait. Oui. Mais au fait, cette maison, c'est pas celle où on allait tous les étés passer nos vacances quand on était enfants? Si, c'est celle-là, mais ça doit faire 10 ans que j'y suis pas allée. Ouais, à cause de mes études, du travail, c'était plus facile pour eux de venir chez moi. C'était chouette. Qu'est-ce que tu vas en faire? J'en sais rien, la vendre. C'est bête qu'elle reste inhabitée. Mais pourquoi elle serait inhabitée? Tu devrais y aller.
Non, ça te ferait du bien, je suis sûre. J'ai trop de travail. Il faut que je rende cet article d'ici 2 semaines, t'imagines? Tu peux faire du télétravail. C'est ce que font la moitié de nos journalistes et ça fonctionne très bien. Si tu veux, j'en parle à la boss. Sérieux? Regarde, tu n'as même pas encore ouvert tes valises depuis que tu es ici. Va chez ta grand-mère. Et passe quelque temps au milieu de tous ces souvenirs, ça va te faire du bien, ça va te consoler. Tu pourras écrire. Il faut le temps que tu digères ce qui t'est arrivé. T'as sûrement raison. Aujourd'hui, t'es devenue ma psy, en fin de compte. Et meilleure amie, et partenaire de fitness, sans oublier ta collègue préférée. Préférée parce que géniale. Allez, va faire tes bagages et je nous commande à manger. D'accord, mais c'est moi qui t'invite. Tu veux quoi ce soir, chinois ou thaï? J'ai dit 100 fois de ne pas entrer quand je lave le sol, tu ressalis tout. Arrête, tu me saoules avec ton ménage. En plus, dès qu'on va ouvrir, les clients vont marcher partout et ce sera comme si t'avais rien fait. Tu sais quoi, je vais te laisser la serpillière et tu vas le faire pour une fois. Tiens. D'accord. Régale-toi. Oh, mais avant, on a une livraison à décharger. Tu me donnes un coup de main ou je demande à papa? Non, 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 tout mais pas ça, sinon il va remettre son grain de sel partout. Et il va encore falloir lui obéir. Exact. Allez, je fais un café et on s'en occupe. Et voilà. Ça y est, c'est bon, on a tous les produits laitiers. Il y a quoi dans ce carton? Oh, génial! Oh, ils sont vraiment trop cool. Je me suis dit que j'allais les installer près de la caisse, tu sais, pour les achats coup de cœur. Pour moi, ce sont surtout des nids à poussière. Des nids à poussière? Tu sais que t'es vraiment rabat-joie. Moi, j'essaie d'équilibrer les comptes. Ouais, et ben si tu me laissais mettre à jour le site internet, on pourrait attirer de nouveaux clients. On n'a pas besoin de nouveaux sites internet. Le nôtre est parfait tel qu'il est. Mais ça fait des années qu'on l'a créé. Tu sais très bien que la technologie évolue. Faut vivre avec son temps. Je rêverais d'avoir une boutique virtuelle. Écoute, pour l'instant, tu vas installer tes mugs. Je te laisse les mettre où tu veux, mais pitié, ne me parle plus du site web. D'accord, entendu. Mais j'ai pas dit mon dernier mot. On verra, c'est promis. Mais plus tard. Mais sinon, tu sais ce que tu peux faire? Téléphoner à Rachel. Elle est libre ce week-end. Arrête. Quoi, arrête? Rachel est exceptionnelle. Elle est institutrice, elle est sympa et elle est célibataire. Elle doit être géniale. Mais... Oh, s'il te plaît. Je sais que c'est pas évident, mais... Olivia n'aurait jamais voulu que tu te morfondes tout seul. Je sais qu'elle aurait voulu que tu reprennes goût à la vie. Dani, s'il te plaît, arrête d'imaginer ce qu'Olivia aurait voulu pour moi. T'as le droit de passer à autre chose. Mais je le sais, tout va bien. Je t'assure. Ok. Ok, j'ai compris. Faut que tu vois ce que j'ai acheté. Ah, je le sais déjà. Des gadgets complètement inutiles. Ah, tu sais quoi? Les clients viendront chez nous faire leurs courses et ils s'offriront un petit cadeau.
Mamie. Ron Wellingford, votre agent immobilier. Bonjour. Je peux vous aider? Oui, est-ce que vous auriez cette chose qu'on utilise pour les trous dans les murs? Pour colmater? C'est ça. C'est ici. Oh. Vous faites des travaux? En quelque sorte. Je vous remercie. Et est-ce que vous avez du papier de verre ou un grattoir? Il vous en faut si vous voulez boucher des trous dans vos murs. Ah, oui, d'accord, merci. C'est important d'entretenir sa maison. L'immobilier marche très fort. Les maisons se vendent super bien par chez nous. Je ne cherche pas à vendre. Je suis désolé, je disais ça parce que je vous ai vu regarder les annonces immobilières sur le tableau. Oui, c'est vrai, mais c'était juste par curiosité. Ah, bien sûr, je comprends. J'espère que mon frère ne vous embête pas. Ah. Non, ça va. Tant mieux. Alors, qu'est-ce qui vous amène à Sherbrooke Falls? Je viens passer quelques semaines chez ma grand-mère. J'y fais quelques travaux. Ah, génial! Et qui est votre grand-mère? Rosaline Moore. Oh, j'ai lu dans le journal qu'elle était décédée. Je suis vraiment désolée. Merci beaucoup. Vous la connaissiez? Comme ci, comme ça. Quand vous êtes l'un des rares magasins de la ville, vous finissez plus ou moins par connaître tous les habitants. Et il se trouve que Cole... mon frère, Cole adorait quand elle cuisinait ses délicieux gâteaux aux myrtilles. Elle en donnait à tous ses voisins. La première fois qu'il les a goûtés, ça a été un vrai coup de foudre pour lui. Oui, c'est vrai qu'elle cuisinait merveilleusement bien. Si vous en faites pendant votre séjour chez nous... Je vous promets que je penserai à vous. Et voilà. Est-ce que c'est tout ce qu'il vous fallait aujourd'hui? Vous avez de la peinture blanche? Oui, bien sûr. Cole, tu pourrais nous apporter de la peinture? Coquille d'œuf, ça vous va? Coquille d'œuf! Bon, alors... Ça nous fait un total de... 53,40. Ok, parfait. Désolée, j'ai pas de monnaie. Je le note pour la prochaine fois. Si vous voulez, je peux vous aider à porter la peinture. Non, ça va aller. Merci. Oh, c'est bon. À très vite, alors. C'est quoi ce sourire? Mais quel sourire? J'étais en train de me dire que t'avais oublié de me rapporter mon plat à rôti. Je l'ai laissé chez toi dimanche soir et Aaron voudrait le récupérer. Pour ce soir. Et tu voudrais que j'aille le chercher? Maintenant. Merci. D'accord, j'y vais. Mais tu me dois toujours un café. Oui, et tu l'auras quand tu reviendras. J'y compte bien. Merci beaucoup. Ouvre-toi!
vous faites là? J'habite en face. Vous vivez en face? Oui, ça va faire 5 ans. Mais ce que je voudrais savoir, c'est pourquoi vous entrez par effraction chez Madame Moore? Je ne rentre pas par effraction. Madame Moore est ma grand-mère. Enfin, c'était ma grand-mère. Oh, je suis vraiment désolé. Vous savez quoi? On va recommencer à zéro. Moi, c'est Anna Moore. Cole Walker, ravi de vous connaître. Alors, soit je vous pousse par la fenêtre, ou alors je vous aide à ouvrir la porte. C'est comme vous préférez. Oh, je préférerais rentrer par la porte. Alors, vous travaillez à l'épicerie? J'en suis le propriétaire avec ma sœur. Avant, elle était à nos parents, mais ils sont à la retraite. Bien sûr. Et vous, vous faites quoi, à part repeindre cette maison? Je travaille dans un magazine. Journaliste? Eh bien, si vous avez déjà répondu à un quiz, quel genre de pâte êtes-vous? Alors oui. Oui, c'est sûrement moi qui l'ai écrit. Mais là, je travaille sur quelque chose de nouveau. C'est mon premier véritable article. Génial. Oui. On essaie d'ouvrir la porte? Avec plaisir. Je vous laisse faire. Génial. Je vous remercie pour votre aide. C'est très gentil. De rien. Merci. Un de ces jours, alors? Oui, d'accord. Merci. Bonne journée. Je viens de vendre 2 autres mugs. Je voudrais pas dire que je te l'avais dit, mais... Très, très drôle. J'ai beaucoup d'humour. Comment tu fais pour avoir toujours raison? J'en sais rien. Ça doit être un don. Oh, et là, t'as rien de mieux à faire? Si, des tas de choses. Tu devrais d'ailleurs être flattée que je te consacre autant de temps. Je serais pas contre le fait que tu m'oublies. Oh, oh, de quoi tu t'es encore mêlée? Mais de rien. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Vas-y, raconte. Y a rien à dire. Allez, j'ai du travail. À plus tard, Aaron. Ouais, à plus. À plus tard. Je t'adore, tu sais. Daniel, je sais qu'il y a une grande complicité entre vous deux, mais il serait peut-être temps de le laisser vivre sa vie. Le fait de vouloir que mon frère soit heureux, c'est si mal que ça? Non, mais peut-être qu'il faut le laisser avancer à son rythme. Oui, d'accord, c'est vrai. Tu as raison. Ouais, ça m'arrive, de temps en temps. T'es bête. C'est bon, on y va? Ouais, ouais, j'allais fermer. Tu prends ça? Je te rejoins dans la voiture. On fait comme ça. Ok. Aaron, je t'aime. Pas autant que moi. C'était très gênant comme situation. J'avais le corps à moitié rentré par la fenêtre. T'imagines la vue qu'il avait? Ça alors, là t'as fait fort. J'étais ridicule. En plus, il avait été vraiment hautain avec moi dans le magasin. Mais comment ça, hautain? Bah, il a fait comme si je n'y connaissais rien en bricolage. Non, mais tu te rends compte? Bah, franchement, t'y connais pas grand-chose. Je te demande pardon, je vis seule à New York depuis que j'ai 17 ans. C'est évident que tu es débrouillarde, mais tu appelles ton propriétaire dès qu'il faut changer une ampoule. Et venons-en à la chose la plus importante. Est-ce qu'il est séduisant? Non. Est-ce qu'il est marié? Mais pourquoi tu me demandes ça, puisqu'il m'intéresse pas? Tu pourrais l'interviewer pour l'article? Non, j'aime autant pas. Toi, tu dis ça parce qu'il te plaît. Ok. Il faut que je te laisse, il y a trop de poussière, je dois sortir. Oui. Moi aussi, je sors, j'ai rendez-vous avec Simon. Oh, Simon, hein? On dirait que ça roule pour toi. Ne me porte pas la poisse. D'accord. Je t'appelle dans la semaine pour faire le point. Tu me diras où tu en es dans tes interviews. Entendu, on fera ça. Bonne soirée. Salut. Bonsoir, il vous serait possible de venir estimer ma propriété?
Bonjour. Bonjour. C'est Daniel, ça? Oui, enchantée de vous revoir. J'espère qu'on ne vous dérange pas de si bon matin. Non, pas du tout. Moi, c'est Aaron, l'agent immobilier. Oh. Et accessoirement, son mari. Génial, je suis enchantée de vous rencontrer. Moi aussi. Quand il m'a dit que vous l'aviez appelé, j'ai eu envie de l'accompagner chez vous. Oh, super, vous voulez entrer peut-être? J'allais justement me faire un café. Excellente idée. Génial. Allez-y, entrez. Ne regardez pas le bazar, surtout. Je vous promets que ce sera impeccable pour les visites. Je ne m'inquiète pas une seconde. C'est vraiment beau chez vous. Oh, merci. C'est très gentil. Mon grand-père était menuisier. C'est lui qui a fait tous les meubles. Vous étiez proche de vos grands-parents? Dani. Oh, c'est rien, voyons. Oui, très proche. Ils étaient comme de véritables parents pour moi. Ce sont eux, là? Oui, ce sont eux. J'ai l'impression de le connaître, votre grand-père. Est-ce que c'était pas lui qui avait une énorme voiture des années 60? Oui, c'était bien lui. Oui. Il adorait cette voiture. Elle était si bruyante qu'on pouvait l'entendre arriver à des kilomètres à la ronde. Ce sont des membres de votre famille, eux aussi? Non, ce sont les personnes que j'ai interviewées pour un article. Vous êtes journaliste? Oui, je travaille pour Fifth et Madison. C'est pas vrai? Ça, alors, c'est génial. T'as entendu? On le vend au magasin. Et c'est quoi comme article? En fait, c'est une sorte de reportage sur le mariage. Mmh. Oui, j'ai interrogé toutes sortes de gens, des célibataires, des couples mariés depuis longtemps. J'essaie d'avoir tout un panel de façons de voir les choses. Je leur demande s'ils pensent qu'aujourd'hui, le mariage est encore une valeur sûre. Ça a l'air intéressant. Vous ne connaîtriez pas des personnes qui accepteraient de répondre à mes questions? Avec Aaron, on serait d'accord. Non, j'ai aucune envie de faire ça. Ne sois pas si timide. C'est pas une question de timidité, j'ai du travail. Si jamais vous changez d'avis, n'hésitez pas à me le dire, ou si vous connaissez d'autres personnes. Oh, promis. Vous croyez que je peux jeter un coup d'œil à la maison? Oui, allons voir à l'étage. Excellente idée. Toute la maison est d'origine? En grande partie, oui. Il faut la rénover. Votre maison est dans un assez bon état général. Mais... On pourrait faire quelques travaux pour en tirer un meilleur prix. Et vous pensez qu'il faudrait faire quoi comme travaux? Déjà, nettoyer les gouttières, réparer la porte d'entrée, donner un petit coup de peinture et mettre quelques plantes dans des pots, des choses comme ça. Quant à l'intérieur, il faudrait faire un grand ménage et un peu de peinture et évidemment réparer les étagères. Pas grand-chose, vous voyez. Oui, je comprends ce que vous voulez dire. Je suis tout à fait d'accord. Oui? Vous ne serez plus obligé de passer par la fenêtre? D'accord, je vois que Cole vous a raconté ma mésaventure. Tout à fait, oui. Mais dites-moi, j'y pense, Cole est très fort en bricolage au magasin. C'est lui qui s'occupe de toutes les réparations. Mm-hmm. Il pourrait probablement venir vous aider. Non, je suis persuadée que je vais y arriver seule. Mais vous êtes très occupée avec votre article et ça lui ferait plaisir de vous rendre service. Je vais aller lui demander. Non. Si, j'y vais, je reviens tout de suite. Non. Cole? Je vous assure que je vais y arriver. Ça va aller, ne le dérangez pas. Cole! Elle écoute rien. Elle est têtue. Qu'est-ce qu'il y a? Anna a besoin d'aide pour du bricolage et je lui ai dit que tu savais tout faire. Même si j'avoue que ça m'ennuie de le reconnaître. Vous allez vendre? Pour l'instant, j'en sais encore rien. Aaron a dit qu'il y avait des bricoles à faire et Anna est très occupée. Elle a un article à écrire. Mais je dois aussi m'occuper du magasin. En fait, je suis pas sûre de pouvoir vous aider. Écoutez, il n'y a aucun souci. Il n'a pas le temps. Je sais qu'il est dispo. C'est moi qui fais les plannings. C'est vrai, t'es pas occupée? Vous devez connaître des gens qui font ça, non? Eh bien, il y a Monsieur Collins qui est bricoleur. Mais enfin, Monsieur Collins a 83 ans. Et pourquoi pas Ron? Tu sais bien qu'il est nul. Tu exagères. C'est le genre de garagiste qui vous dit qu'il faut changer le moteur alors qu'il ne vous faut qu'une vidange. Oh, effectivement. Tu vas l'aider? Je vais trouver une solution si vous y tenez. Oui, j'avoue que ce serait vraiment pas de refus. Bon, entendu. Ça alors, c'est gentil. Merci beaucoup. Vous savez quoi? Si vous êtes à la recherche d'idées ou d'inspiration, n'hésitez pas à m'appeler surtout. Je connais une boutique en ville qui vend des choses super chouettes sans que ça soit trop cher. C'est la nôtre. Comment
ça va? T'as avancé avec les interviews? Salut. Tout se passe comme vous voulez? Oui, je la retape pour éviter de la changer. Il y a la baguette qui se détache, alors ça laisse passer toute l'eau quand il pleut et du coup, ça déforme la porte. Et c'est pour ça que ça lui arrive d'être coincé. Bien sûr. Mais je vais peut-être devoir travailler à l'intérieur. Oh, c'est pas la peine de vous embêter, vous devez avoir du boulot. Oh, non, pas de problème. J'ai pris ma journée et j'ai mes outils. Sinon, je repasserai un autre jour. Non, non, aujourd'hui c'est bien. Entrez, je vous en prie, entrez. Oh. Venez. Ouh. Oui. Et oui, j'ai fermé la porte et tout s'est cassé la figure comme un château de cartes. Oh. On va rajouter ça à la liste des réparations, alors. Je commence à comprendre pourquoi votre sœur dit que vous savez tout faire. C'est quoi tout ça? Oh, je préparais les scones de ma grand-mère. Oh, génial! Elle m'en avait offert quand j'ai emménagé en face il y a quelques années. On se connaissait pas plus que ça, mais je garde un souvenir ému de ces gâteaux. Ça fait des années que j'en ai pas fait, alors ne soyez pas trop exigeant. Oh, vous n'en faites pas à New York? Oh, non, j'en fais plus. Avec ma grand-mère, j'en faisais quand j'étais petite. C'était notre truc, mais... j'ai pas acheté de farine depuis des années, alors ça risque d'être un massacre, désolée. Bon, peu importe comment ils seront, je les mangerai. Je suis fan de tous les gâteaux. Cake, profiterole, tiramisu, j'aime tout. Du tiramisu, j'en ai jamais fait. C'est super bon et très facile à faire. Une couche de gâteau, de mascarpone, pouf, et le tour est joué. En tout cas, même si mes scones ne ressemblent à rien, ça me distrait. Ça vous distrait ? Daniel a dit que vous écriviez un article. Vous cherchez à savoir si ça vaut encore la peine de se marier? Oui, c'est à peu près ça. C'est mon premier grand article pour le magazine et si je m'en sors bien, alors peut-être que j'aurai une promotion. Et dans le cas contraire, je continuerai à écrire des quiz et en plus, j'aurai déçu ma meilleure amie. Dites pas ça, je suis sûr que ça va aller. Est-ce que vous ne connaîtriez pas des couples mariés qui seraient d'accord de participer à l'article? Pourquoi pas vous? Oh, moi je suis pas marié. Peut-être mes parents. Ils ont la chance de vivre un véritable conte de fées depuis 40 ans. Waouh, les licornes existent alors? Vous devriez leur demander, ils sont à la boutique. Et on pourrait passer une commande pour les matériaux pour vos travaux tant qu'on y est. Génial, c'est une excellente idée. Je suis heureuse que les enfants se chargent de tout. Oui, je trouve qu'il faut fêter le 40e anniversaire de la boutique, oui. Et ils font ça bien, on dirait. Daniel, j'adore ta façon de présenter les articles, mais il me semble que tu devrais ajouter plus de choses afin que les clients aient davantage de choix quand ils viennent chez nous. Il a du mal à décrocher, tu le sais, chérie. D'accord, je ne dis plus rien. Oublie mes idées à la noix, fais comme tu veux. Papa, tu réorganises la boutique à ton idée? Ah, je suis pris en flagrant délit. Bonjour, chérie. Je vous présente Anna, c'est la petite fille de Rosaline Moore. Oh, la journaliste! Dani nous a dit que vous étiez la voisine de Cole. Oui, c'est vrai, enfin, pour quelque temps. Soyez la bienvenue à Sherbrooke Falls, Anna. Ah, c'est très gentil, c'est une ville que j'aime beaucoup. Dites-le nous s'il vous faut quoi que ce soit. En fait, j'ai besoin de quelque chose. Je souhaiterais vous interviewer pour un article sur lequel je travaille. Je dois interroger tout un panel de gens pour savoir ce qu'ils pensent du mariage. Et je crois savoir que vous fêtez votre 40e anniversaire ce week-end. Mais tout à fait. Oui, oui, ce serait super qu'elle vous interviewe. Oh, mais attendez, il n'y a aucune obligation. Je rêve d'être dans un magazine. Qu'est-ce que tu en dis, Franck? Oui, je suis partant. Est-ce que demain, ce serait trop tôt pour vous? Demain, c'est notre pique-nique d'hiver, chérie. Je sais, mais Anna pourrait venir. Non, je ne voudrais pas vous déranger. Pas du tout, nous serions ravis de vous avoir. Alors d'accord, je viendrai. Il va sûrement être très chouette, ce pique-nique. Ça, c'est sûr.
Vous n'aurez qu'à venir avec Cole. Bien sûr, pourquoi pas. Bon, maintenant, on va vous laisser, on a des tas de choses à faire. Par tout ici. À fait. Vos parents sont tellement sympathiques, merci de me les avoir présentés. Mais y a pas de quoi, je vous en prie, je suis content qu'ils vous aident. Regardez, j'ai fait un projet pour un client dans cette couleur. Vous en pensez quoi, pour les étagères? Ça, c'est vrai que c'est joli cette teinte. Je trouve aussi, et en plus c'est indémodable, ça irait très bien chez vous. Génial. Vous savez quoi? Je vais la commander. Oh, je vais la commander en ligne si ça vous arrange. On est du genre vieux, notre site ne permet pas de commander en ligne. Oh, wow. Ouais, je sais, Dani est sur mon dos pour que je le modernise, mais j'avoue que je sais pas comment m'y prendre. Mais moi, je peux vous aider. J'ai été obligée d'apprendre à créer des sites quand j'étais journaliste freelance au début. Ah oui? Oui, ça vous ennuie que je jette un œil? Ce serait génial. Merci, je vous en prie. Oh, elle est super, cette photo. Bienvenue sur le site de la famille Walker. Vous avez une autre sœur? Non, c'est Olivia, mon épouse. Oh, je suis... Je croyais que vous n'étiez pas mariée. Je ne suis plus mariée. Aujourd'hui, je suis veuf. Il y a déjà quelques années qu'elle nous a quittés. Je suis désolée. Non, vous ne pouviez pas deviner. Eh bien, je crois que je vais y aller. Oui, on se reverra. Oui, je vais rentrer à la maison. Je vous remercie. Je vous laisse, à plus tard. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien du tout. J'aurais pu y aller toute seule, vous n'êtes pas obligée de me conduire au pique-nique. Ça me dérange pas. Allez-y, montez. Je suis certain que ma mère nous a réservé les meilleures places. Et elle a dû aussi nous faire du chocolat chaud. Vous êtes sûr que je ne vais pas vous déranger? Sûr et certain. Dans ce cas... C'est vraiment sympa que vous soyez venus aujourd'hui. Ça y est, on arrive. J'imagine que ça doit vous changer de New York, mais... Je trouve ça super, pas de soucis. Je faisais des grands feux de camp avec mon grand-père quand j'étais petite. Ça me fait retourner en enfance, tout ça. C'était un ancien chef scout. Oh, je vois. Alors si je me perds dans les bois, je saurai qui appeler. Oh oui, si vous devez vous repérer à la boussole ou encore faire un feu de camp... Ou chanter à tue-tête, je suis la bonne personne. Je reconnais que c'est pas très utile. Ben, je demande à voir. C'est le moment ou jamais. Oh? Oh, vous êtes en train de me mettre au défi? Oh, peut-être bien. Je suis d'accord. Déjà, il faut commencer par la base. Comme ça. Certaines personnes... font des feux en forme de tipi, mais de cette façon, c'est beaucoup plus stable. Ça fait comme une cheminée. On lui donne le nom de cabane de ronda. Oh, vous connaissez même le nom? On en rajoute deux sur le dessus. Et là... on craque une allumette. Et ensuite... voilà. Ça alors, vous êtes pâtissière, chef scout ou presque, web designer, journaliste. Quels autres talents est-ce que vous avez encore? Je fais aussi du ski de fond.
Oh. Vous croyez que ce sera suffisant? Ça devrait aller, je pense. Ah, Anna, vous êtes là. Ah, Madame Walker, je suis heureuse de vous voir. Et toi aussi, mon chéri. Coucou, maman. Et voici votre chocolat chaud. Merci. Oh. C'est ma recette secrète, bien sûr. Oh, super. Je sais que vous êtes très occupé, alors nous pouvons encore reporter. Oh non, ça va aller. Faisons-le maintenant. Franck? J'arrive. Croyez-moi, de temps en temps, j'ai l'impression que je l'embête. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à mes questions. Je vous suis vraiment très reconnaissante. Oh, de rien. Ça nous fait plaisir. Ça vous ennuie si j'enregistre? Non, pas du tout. Allons-y. Alors, je commence toujours en demandant comment vous êtes-vous rencontrés et comment avez-vous sympathisé? J'ai rencontré Kimi à la fête foraine de notre ville. Elle venait d'emménager ici, alors je l'avais déjà vue au lycée, bien sûr, mais je n'avais encore jamais osé lui parler, jusqu'à ce fameux jour où on s'est retrouvés piégés dans le Palais des Glaces. Ah, vous savez, cette attraction avec des couloirs en miroir où on finit toujours par tourner en rond. Ah, oui. Il n'y avait vraiment pas moyen qu'on arrive à en sortir. Car, vous le savez, tous les couloirs ramènent toujours au même endroit, généralement. Je ne me suis jamais senti aussi bête de toute ma vie. Enfin bref, à un moment, j'ai tourné au bout d'un couloir et je suis tombé sur elle. Enfin, sur les 12 Kim qui étaient là, à cause de tous ces miroirs. C'est le plus beau spectacle que j'ai jamais vu. Oh, et moi je n'ai jamais été aussi soulagée de voir quelqu'un. Enfin, un être humain. Je me suis accrochée à Franck, on a quitté la fête ensemble et on est unis comme les 5 doigts de la main depuis ce jour-là. Vous saviez déjà que vous alliez l'épouser? Sincèrement? Non. Oh, alors, ça veut dire que vous ne croyez pas au coup de foudre? Si, j'y crois, moi. Mais ça a mis du temps avant qu'elle l'accepte. Moi, je suis convaincue que l'amour n'est pas qu'un simple sentiment. C'est un engagement qu'on prend tous les jours. Est-ce que vous pensez que c'est ça qui le fait durer? Enfin, d'après votre expérience? Oui, vous devez vous réveiller tous les matins et décider de choisir cette personne. Et pour elle, il faut faire l'impossible. Lui pardonner quand c'est nécessaire et l'aimer sans la moindre réserve. Sans oublier de rire le plus possible. Je crois que rire, c'est le plus important. Est-ce que vous avez connu des moments où vous vous êtes dit qu'il serait peut-être plus... facile de... De quoi? De nous séparer? Non. Parce qu'en fait, la vie, ce n'est jamais facile. De toute façon, que vous soyez marié ou non. En fait, je crois que la vie, c'est comme un voilier. Nous y voilà. Parfois, les eaux sont calmes et la navigation est facile. Mais il arrive également qu'on soit pris dans une vilaine tempête. Et quand ça vous tombe dessus, vous avez l'impression d'être comme l'un de ces cordages qui sont tendus jusqu'à leur maximum. Et le vent déchire les voiles du bateau. La plupart des gens cherchent évidemment un moyen de mettre fin à cette tension. Et... ils voient dans le fait de couper les ponts avec leur conjoint une façon d'y parvenir facilement. Mais ils ne comprennent pas forcément que ce qu'ils font, c'est briser l'ancre du bateau, au lieu de changer les voiles. Ouais, ouais. Nos enfants connaissent cette histoire par cœur, n'est-ce pas, Cole? Ouais. Je vous comprends, Franck. C'est une belle histoire. Je suis sûre que nos lecteurs vont l'adorer. Est-ce que tous les couples que vous avez interviewés étaient aussi poétiques? Non. Ah, j'ai aussi interviewé des personnes qui préfèrent rester seules. Il faut étudier tous les points de vue. Et vous, qu'en pensez-vous? Vous vous situez de quel côté? Je suis assez indécise. Il se trouve que j'ai été fiancée quelques années et... aujourd'hui... je me retrouve célibataire et j'en suis ravie. Je crois qu'il existe toutes sortes de façons d'être heureux. Je suis d'accord. Hé, hey, vous devriez venir dîner avec nous chez Cole dimanche soir. Nous fêterons notre anniversaire. Oh, je ne veux pas vous embêter. Mais pas du tout, nous serions ravis de vous avoir. Non, maman, arrête. Ne lui mets pas la pression. Si elle veut pas venir, laisse-la tranquille, voyons. Mais je lui mets pas la pression, je l'invite à venir, c'est tout. Bon, d'accord. D'accord, entendu. De toute façon, j'ai trop de travail à finir ce week-end, je ne pourrai pas. Mais je vous remercie beaucoup, c'est tellement gentil à vous de m'inviter. Notre offre tient toujours. Si jamais vous changez d'avis, n'hésitez pas à venir. Et vous savez quoi? Je vais vous offrir un de ces délicieux beignets qu'ils vendent là-bas. Ils sont à la cannelle, vous allez adorer. Vous êtes gourmande? Ah oui, je l'avoue.
Est-ce que j'ai le choix, de toute façon? Vous aurez le choix d'en prendre plusieurs, si vous voulez. Après tout, quand on aime, on ne compte pas. Vous avez raison. Peut-être. Oui, merci. Allez. Allez-y, je vous suis. Là, ça vous convient? Génial. Il fait pas chaud ce soir. C'est vrai. Au sujet de tout à l'heure, sachez que j'ai jamais voulu vous empêcher de venir dîner à la maison, surtout si ça vous tente. Venez. J'ai peur que ça fasse bizarre. Non, mais non, je suis vraiment désolé. Je n'ai pas reçu d'invité depuis qu'Olivia nous a quittés. J'avoue que c'est une chose à laquelle j'avais pas pensé avant qu'il vous invite. J'ai eu un choc, désolé. Oui, j'imagine, c'est logique. J'ai été ridicule de réagir comme ça. Après tout, c'est qu'un dîner, un repas qu'on partage. Et je vous assure que je serai ravi de vous y voir. J'en sais rien. Daniel et Aaron seront là aussi. Ce sera sympa, je vous le promets. Est-ce que je peux y réfléchir? Oh, oui, bien entendu. Bonne nuit. À vous aussi. Ce sont les derniers, je crois. Ouais. Je reconnais que t'avais raison. T'as bien fait d'acheter les mags. Qu'est-ce qui t'arrive? Comment ça? J'ai rien. Tu viens juste de dire que j'avais raison. Ah, oui, bien. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Oh. Y a quelque chose qui te perturbe? Non, non, je t'assure que tout va bien. C'est à propos de l'histoire du dîner. J'ai eu maman au téléphone et elle m'en a parlé. C'est pas que j'ai paniqué, c'est que ça m'a surpris. Mais peu importe. Moi, ce qui me réjouit, c'est qu'apparemment, t'as ressenti quelque chose. Ça m'a surtout ennuyé d'être désagréable vis-à-vis de ma nouvelle voisine. Tu peux aller t'excuser. C'est fait. Eh bien alors, recommence. Ok, comment? J'en sais rien, sois sympa avec elle. Tu peux l'inviter à déjeuner. Un déjeuner, je trouve que ça fait un peu trop rendez-vous. C'est ça qui est chouette. Dani. Je suis sûre que tu vas finir par trouver une bonne idée. Ses études, elle n'a pas eu le temps de chercher l'amour. Bonjour. Bonjour, je vous dérange? Pas du tout, entrez. Ah. Je viens vous installer les étagères que j'ai repeintes. Merci beaucoup. Vous voulez un coup de main? Ouais. Il faudrait que vous m'aidiez à mettre les planches dans les fentes. Comme ça. Il faut les incliner. Et ensuite, les faire rentrer. Parfait. Il faut encore quelques vis et c'est bon, c'est fini. Génial. Je vais la tenir en attendant. Oh, parfait. Maintenant, l'autre côté. Désolé. C'est délicat de ce côté. On a fini. Je vais aller dehors prendre l'air.
Ah, oh, oui, évidemment. Je connais un très joli coin pour aller se promener. J'ai une autre idée plus amusante. Génial. En route. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Moi aussi. Je dois reconnaître que je suis moins à l'aise qu'avant, mais... Et au fait, ça en est où, votre article ? Ça avance. Je suis sûr que vous allez vous en sortir. C'est surtout que je ne veux pas décevoir vos parents. Aucun souci là-dessus, je crois. J'en sais rien. D'habitude, je ne m'inquiète pas trop de ce que les gens pensent, mais... Je voudrais que mon article décrive au mieux leur histoire. Ils sont vraiment très émouvants. C'est vrai qu'ils ont mis la barre très haut. Et vos parents, ils sont comment, eux ? Oh, ils vont assez bien ensemble, mais... Ils ne vivent pas comme les vôtres. Ils sont sans doute plus amis qu'autre chose. Être amis, c'est important. Oui, mais si c'est tout ce que vous avez... Je me rappelle que lorsque j'étais petite, ils étaient encore tellement affectueux l'un envers l'autre. Enfin, voilà, c'est comme ça pour beaucoup de monde, j'imagine. C'est ce qui est arrivé avec votre fiancé ? Je sais pas. Je suppose que je me suis réveillée un jour et que j'ai réalisé qu'on ne faisait que cohabiter. Alors là, je me suis dit, ça y est, terminé. Et finalement, c'est mieux comme ça. J'en sais rien, je dois pas être nette. Arrêtez de dire ça. La vie est courte. Soyons exigeants. Quand vous avez rencontré Olivia, comment avez-vous su que c'était elle ? Oh, je ne me souviens pas exactement du moment. Tout ce que je sais, c'est que... J'ai vécu avec elle les plus beaux moments de ma vie. Ça doit être difficile. On s'habitue. Vous pensez vous remarier un jour ? Je sais pas. Il faut jamais dire jamais. Mais parfois, je me demande s'il est possible que j'aie à nouveau autant de chance. Et vous ? Prête à faire le grand saut ? Je crois que c'est mal parti. Vous dites ça parce que... vous avez peur d'échouer. Statistiquement, un couple sur deux divorce. L'amour, c'est plus compliqué que les statistiques. Pour ce qui est du dîner, vous devriez venir. Ça me ferait super plaisir. J'organise un repas à la maison. Et en plus, je sais que ma mère va vous apporter du gâteau si vous venez pas, alors autant venir le manger avec nous. Eh bien, il faut que je les photographie pour illustrer l'article. Bah, vous voyez, vous le ferez au dîner. Ça fera d'une pierre deux coups. Entendu. Mais je ne viendrai que si c'est moi qui apporte le dessert. Bonne idée. Allez, on continue. Salut. Hey, tu faisais quoi ? Raconte-moi comment tu vas. Je me sens perdue. À cause de l'article ? Je croyais que t'avais trouvé un couple. Oh oui, ça y est, j'ai trouvé. Mais je suis contrariée à cause d'autre chose. Je sais plus où j'en suis. Tu es amoureuse de ton voisin, je parie. Pardon ? Non. Anna ? Peut-être bien. C'est pas vrai. Oui, je sais, c'est la cata. Pourquoi ? Parce qu'il est veuf ? Oh non. Quoique, peut-être bien... J'en sais rien, je... Je suis perdue. Pourquoi il faut toujours que ça m'arrive ? Pourquoi est-ce que je choisis toujours des hommes inaccessibles ? Parce que tu cherches à t'auto-flageller. Quand tu es seule, tu restes dans ta zone de confort. Il m'a dit ça, lui aussi. La même chose que moi ? Ben, c'était pas exactement ces mots, mais ça voulait dire ça. Ça veut dire qu'il fait attention à tes réactions. Tu signes ? Oui, d'accord, mais le fait qu'il soit veuf... C'est pas parce qu'il est veuf qu'il est pour autant inaccessible. Merci. Il est peut-être prêt à tourner la page. Et comment je vais le savoir ? Demande-lui. Tu es folle ou quoi ? Bon, écoute, si tu n'oses pas lui parler, tu n'as qu'à essayer de faire un papier là-dessus. Mais enfin, je peux pas écrire sur lui sans sa permission. Je ne t'ai jamais dit que ça devait être publié. Je pensais plutôt à une façon pour toi de te libérer. Écrire t'a toujours aidé à mieux vivre les choses. Je sais pas, c'est bizarre. Ça t'aiderait à réfléchir à tout ça. Et en plus, c'est en lien avec ton article. Salut.
Salut, je suis là aussi. Eh oui, c'est nous. On est un peu en avance, comme d'hab. Maman m'a dit qu'Anna lui avait téléphoné pour lui dire qu'un photographe allait venir ce soir. Alors je voulais être sûre que la maison était bien rangée. Mais c'est dingue, comme c'est impeccable. T'as fait le ménage ? Dani, fiche-lui la paix, tu veux. Vous voulez boire quelque chose, peut-être ? Je veux bien, merci. Qu'est-ce que tu prépares ? Arrête, s'il te plaît. C'est dingue. Regarde tout ce qu'il a fait, j'en reviens pas. Et voilà. Pour toi. Merci. Et pour notre princesse. Merci. Oh, je vois que t'as une nouvelle chemise. Ouais, c'est pour le dîner. Je t'ai déjà vu dîner avec de la sciure de bois dans les cheveux. Alors là, je suis désolée, mais elle a raison. Oh, j'en étais sûre. Ça va, du calme. Oh, tu vois, il dit pas que c'est pas vrai. Ça, alors c'est dingue, c'est complètement dingue, pas tout vrai, à fait, chérie, du moment que toi, tu es heureux. Ce n'est qu'un dîner de famille avec une invitée. Toc, 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 on est là. Oh, entrez. Maman, tu es magnifique. Comme toujours. Vous êtes trop gentille, on a apporté ça. Merci maman. Je vais devoir vous quitter quelques instants pour aller chercher du bois pour la cheminée. J'en viens tout de suite. Qu'est-ce qui lui arrive ? C'est quoi comme gâteau ? Une charlotte. Oh. Tu m'as dit que tu aimais toutes sortes de gâteaux. Ça te gêne si on saute le dîner et qu'on passe directement au dessert ? À toi de voir, c'est toi qui invite. Au fait, papa, tu t'es déjà servi du nouveau fumoir à saumon ? Oh oui. On l'a utilisé la semaine dernière. Le résultat est super. Ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, tout ce qu'il va cuisiner va être fumé. Eh oui, hélas. Mais c'est difficile de lui en vouloir parce que ça le rend si heureux. Si vous voulez, on peut installer votre fumoir dans le jardin. Ah non, c'est hors de question. On avait dit qu'on gardait la place pour un jacuzzi, pas pour un fumoir à poisson, que je sache. D'accord, pas de souci. C'est hors de question. J'ai rien dit, pardon. Est-ce que tous les couples que tu interviews se chamaillent comme nous ? Je dirais qu'ils discutent. Ils discutent, ils ne se chamaillent pas. Ouh, d'accord. J'ai lu que les discussions augmentaient les chances de réussir un mariage. Un couple doit pouvoir être en désaccord, se pardonner et passer à autre chose. Dans ce cas, Ron et toi, vous avez le mariage le plus harmonieux qui existe. En toute sincérité, vous donnez vraiment l'impression d'être en parfaite harmonie. J'ai interviewé beaucoup de couples de notre génération qui ont de grosses difficultés dans leur mariage. Elles sont dues à l'augmentation du coût de la vie et à tout ce stress au travail que nous connaissons et qui n'existait pas lorsque nos parents se sont mariés. Tu crois qu'il est plus difficile de réussir son mariage aujourd'hui ? En fait, j'en sais rien. Je ne suis pas mariée, mais à ton avis ? Eh bien, je pense que nous ne sommes pas la première génération à avoir des difficultés, étant donné qu'il y a eu des bouleversements sans précédent ces dernières années. Non, je crois que les humains sont programmés pour l'amour, quelle que soit la marche du monde. Sûrement, mais certaines personnes pensent que l'amour ne suffit pas pour qu'un mariage marche. Oh, je trouve que si. Il faut juste être tombé amoureux de la bonne personne. Mais comment sait-on que c'est la bonne ? Eh bien, c'est une théorie qui n'a rien de scientifique, mais je dirais que... on doit se sentir bien avec celui qu'on aime. Bon, enfin bref, on dirait que je réponds à une interview pour ton article, alors qu'Aaron ne dit rien, comme d'hab. Ah, en tout cas, j'adore ce que tu as dit. Ça vous ennuie si je te cite dans mon article ? Alors là, pas du tout. Vas-y. Peut-être que quelqu'un veut du dessert ? Moi, j'en veux. Non, j'y vais. Reste assis. Café ? Qui en veut ? Avec plaisir, chérie. D'accord. Tu es sûre d'en vouloir un ? Tu risques de ne pas dormir de la nuit. C'est pour ça qu'on a inventé la sieste, ma chérie. Sans doute. Alors, Anna, comment se passent les travaux de la maison dont vous avez hérité ? Aaron l'a déjà mise en vente ? Non, pas encore. J'ai déjà quelqu'un qui est extrêmement intéressé. Voilà une excellente nouvelle. Regardez cette merveille qu'Anna a faite. Une charlotte, c'est le gâteau préféré de Cole. C'est vous qui avez fait ça ? Oui. Dites donc. Bon, décidez-vous. Qui en veut ? Moi, bien sûr. J'adore ça. Tout gourmand. C'est vraiment magnifique. N'oublie pas de me servir quand même. Super. On laisse la pièce comme ça ? Peut-être qu'on pourrait aller dans la cuisine ? Oui. Merci beaucoup. Merci infiniment de faire tout ça. Mes parents sont vraiment ravis de leur soirée. Ma mère s'est au moins recoiffée 3 fois depuis tout à l'heure. J'en suis ravie, ça me fait plaisir. Ta famille... vous êtes tous tellement incroyables. Et je crois qu'on t'aime tous beaucoup. Alors, de quoi est-ce que j'ai l'air ?
Magnifique. C'est parfait. Où est-ce qu'on s'assied? Au centre du canapé, si vous voulez bien. Daniel, Aaron, vous voulez venir vous asseoir avec eux? Avec eux? Oui, ça sera super. Mes chevaux, ça va? Tu es parfaite. Arrête de te moquer de moi. Mais je me moque pas. Tu es magnifique. Si c'est possible. Enfin, je voudrais pas m'imposer, mais peut-être qu'on pourrait faire une photo avec moi aussi pour le site web. Pour le site web? Oui, Anna a accepté de le moderniser. Oui, mais si vous préférez, on peut aussi garder l'ancienne photo. Non, non, non. Avec une nouvelle photo, ce serait génial. Ça te va? Bien sûr, va vite t'asseoir. Merci, Anna. C'est un cadeau fantastique que tu nous fais. Tu plaisantes? Depuis que je suis ici, vous avez tous été tellement gentils. Allez, faites un grand sourire. Allez, plus grand que ça, le sourire. Celle-ci, elle était géniale. Mais on va en faire une sans toi, Cole. Génial. Daniel et Aaron, on en fait une ou vous vous regardez? Oui, comme ça, c'est super. Oui, encore. Joyeux anniversaire de mariage. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Merci à vous tous. J'arrive pas à croire que ton père a mangé presque tout le gâteau, je suis impressionnée. Faudrait que tu le vois à la fête foraine. Quand il t'a raconté leur rencontre, il a oublié de préciser qu'il venait de gagner un concours de mangeurs de hot-dog 20 minutes avant d'aller dans le Palais des Glaces. Heureusement qu'il a réussi à bien digérer, sinon Dany et moi, on serait pas là aujourd'hui. Ça, c'est une partie de leur histoire que je n'écrirai pas dans l'article. Oh, tu peux, ça les ferait rire. Merci de m'avoir invité ce soir, j'espère que je ne vous ai pas trop dérangé. Oh, non, pas du tout, voyons. C'était génial. Reviens quand tu veux. La prochaine fois, c'est moi qui invite. Oh, non, ça te fera beaucoup trop de travail d'inviter toute ma famille. Non, non, c'est toi qui viens. Je me disais qu'on pourrait se faire un dîner tous les deux. Ce serait génial. Bon, d'accord. Demain soir, c'est trop tôt? Non, demain soir, c'est parfait. Dans ce cas, je te dis à demain. Enfants qui, malgré les épreuves de la vie, ont refusé de succomber au cynisme. Vous passez du temps avec eux et vous aussi, vous pouvez devenir un adepte de l'amour éternel. Bonjour. Bonjour. Comment tu vas aujourd'hui? Très bien. Est-ce que je pourrais utiliser ton imprimante? Il faudrait que je puisse faire quelques corrections avant d'envoyer l'article. Aucun souci, j'y vais. Et aussi, je voulais te dire, c'était génial que tu dînes avec nous l'autre soir. Je te remercie beaucoup pour la séance photo. C'était super. Oui, j'ai adoré aussi. Vous allez trouver toutes nos annonces immobilières juste là, sur le tableau qui est derrière. Hé hé. Ça discute entre filles? Je sens que je vais avoir les oreilles qui sifflent, moi. Oh, je vois pas du tout ce que tu veux dire. Est-ce qu'Aaron est là? Cette cliente voulait le voir au sujet d'un futur achat. Ah oui, il est à l'agence. Je vais l'appeler. Je pense que tu ne vas avoir aucun souci pour la vente. Je vais réfléchir. Je suis en train de me rendre compte que j'adore vivre ici. Alors, je suis plus trop sûre de vouloir vendre. Et voilà, ça y est, tout l'article est imprimé. Merci beaucoup. Pour les fleurs. Oh, parfait, y a l'appoint. Courage pour la relecture. Ça va aller. À très vite, Anna. À très vite. Tu vas revoir Anna? Oui. Ah. Genre pour faire des travaux ou... Non, ces travaux sont quasi finis. Oh, cool.
Ok, ça suffit maintenant. T'as un rendez-vous avec elle, oui ou non? Ça veut dire oui? Ça veut dire que vous allez vous revoir? Calme-toi, calme-toi. Je suis trop contente, c'est super cool. C'est qu'un dîner. Oui, mais tu es heureux. Je suis très heureux. Waouh. Les miracles, ça existe alors. Personne ne me fera croire le contraire. Je suis super heureuse pour toi. Bonsoir. Bonsoir. Vas-y, entre. Je suis ravie d'être là. T'as super bien aménagé la pièce. Merci. Il me reste encore 2-3 trucs à acheter pour que ce soit fini. Oh, je vais surveiller la cuisson, mais fais comme chez toi. Mets-toi à l'aise, surtout. Ça avance, ton article? Oui, ça y est. J'ai presque fini. Je dois le rendre demain, première heure. Si jamais tu as besoin, je peux y jeter un œil quand tu veux. Je m'en souviendrai, merci. Cole et Olivia, leur histoire semblait idyllique. Comment avancer désormais? Tu parles d'Olivia? Non, ça sert à rien. T'as écrit sur Olivia et moi? Non, ça a été imprimé par erreur. Et ce sera dans l'article? Non, ça ne figurera pas dans l'article, c'est juste... Quoi? Ben, j'essayais de faire le point sur mes sentiments à propos de tout ça. Alors, j'ai décidé d'écrire. C'était censé m'aider à y voir plus clair. Y voir plus clair? Disons que j'étais perturbée et bouleversée par tout ce qui se passait. Entre nous, je suis vraiment désolée que tu aies lu ce texte. Entre nous? Mais il n'y a pas de nous, on se connaît à peine. Oui, je sais, bien sûr. Je vais devoir y aller. Je suis désolée, je préfère rentrer. Cole, attends. Change de look. Oh, salut Aaron, c'est moi Anna. Je voulais savoir si tu avais trouvé un acheteur pour la maison. Entendu. D'accord, c'est super aujourd'hui, merci beaucoup. Oui. Aaron. Bonjour. C'est très gentil de nous recevoir aussi rapidement aujourd'hui. Mais c'est un plaisir. Je vous laisse visiter tous les deux. J'espère que tout va bien. Oui. Il est temps que je m'en aille d'ici. Je comprends. J'espère que ça lui plaira. Cole et toi, vous avez super bien travaillé ensemble. Je mets ma main au feu qu'elle va faire une offre. En tout cas, merci. De rien. J'attends l'article, Miller veut l'avoir au plus vite. Je me dépêche, promis. Tu veux qu'elle s'en aille? Non, j'ai jamais dit ça. Pourtant, Aaron a eu une offre pour sa maison. Et alors? Et alors? C'est ça ta réponse? C'est son choix. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Ben, pardonne-lui ce qu'elle a fait. Et excuse-toi d'être partie en courant et en claquant la porte. Non, j'ai pas claqué la porte. Je crois que si.
Ne laisse pas ce malentendu tout gâcher. Vous allez si bien ensemble. C'est pas un malentendu. Elle a écrit sur Olivia. Elle a parlé de notre mariage. Ouais. Histoire de réfléchir. C'était pas pour son journal. Et franchement, comment lui en vouloir? Tu es toujours tellement renfermé, tellement secret. Comment veux-tu qu'elle sache ce que tu ressens au fond de toi? Elle ignore si tu es prêt ou pas à tourner la page. J'ai pourtant l'impression d'avoir été clair. Oui, mais envoyer des signes, c'est pas pareil que d'en parler avec elle. On en a parlé ensemble. Vous avez parlé d'Olivia ou de ce que tu éprouves pour Anna? Tu renonces trop vite. C'est pas aussi simple. Tu sais quoi? Téléphone-lui. Elle est peut-être géniale, mais ça fait pas de nous un couple. Elle a pas envie de s'engager. Elle peut encore changer. Tu étais très solitaire avant de rencontrer Olivia. Réfléchis encore. Bonsoir, Aaron. Je suis en train de finir de remplir les papiers pour la vente. Je te les envoie d'ici quelques instants. Voilà. Encore merci. Coucou. Coucou. Tu as lu l'article? Tout à fait. Et il est fantastique. Oh, tu le penses vraiment? Bien sûr. Et je rêverais d'avoir des voisins comme les Walker, ils sont top. T'es sûre que ça va? Cette histoire, c'est tellement pas moi. Je sais que tu as cherché à te persuader que ta vie devait être différente et que tu es condamnée à rester seule depuis ta rupture avec Kyle. Mais si tu as changé d'avis, c'est pas grave. Ouais, mais il a raison. Il a raison, nous n'existons pas en tant que couple. En amour, on n'en a rien à faire de tous ces détails. Ça n'a plus beaucoup d'importance, j'ai accepté une offre pour la maison. Quoi? Pourquoi? Parce que je ne vais pas y retourner et que j'avais une belle offre. Anna, tu es malade, tu viens d'écrire le meilleur article de toute ta vie dans cette maison. Et tu es tombée amoureuse. Tu es vraiment certaine de vouloir la vendre? Écoute, je sais que tu essaies de m'aider et je t'en remercie infiniment, mais... pour l'instant, j'ai juste envie de me vautrer dans mon chagrin et d'avaler des cochonneries avec toi jusqu'à ce qu'on explose. Ok. Je vais nous commander la plus grosse pizza qui existe. Et on va regarder des documentaires sur les pires tueurs en série que la police ait recensés. Je t'adore. Ma petite Anna chérie, tu dois maintenant savoir que je suis partie et tu as certainement en ta possession les clés de la maison. L'endroit qui abrite mes souvenirs les plus précieux. Oh mon Dieu. Mais si une maison n'accueille pas les gens que tu aimes, finalement, qu'est-ce que c'est? Quatre murs et un toit. Elle a toujours su trouver les mots. Allez, Anna. Il faut que tu y retournes et que tu dises à Cole que tu l'aimes. Oh. Oui, mais imagine que ça ne marche pas. Et si jamais ça marche? Il y a toujours un risque. La vie, c'est un pari. Ta grand-mère a dû douter, elle aussi. Si tu ne te jettes pas à l'eau, tu ne sauras jamais ce qu'il en est. Mais Aaron vient de vendre la maison. Eh bien... il va falloir tout annuler. Allez!
Allez, tu as raison. J'y vais. J'y vais. Les clés. Croise les doigts. T'inquiète, tout va bien se passer. Tout commence aujourd'hui. J'ai rencontré ton grand-père ici quand j'avais 21 ans. Je sais que pour toi, ça doit te paraître très jeune, mais à mon époque, atteindre cet âge canonique sans aucune perspective de mariage était une grande cause d'inquiétude. Mais j'étais très attachée à ma liberté et je ne voulais surtout pas entendre parler de mariage. Et puis, je l'ai rencontré. J'avais peur que mon amour pour lui s'estompe et je craignais de me sentir prise au piège dans le mariage. Mais le destin en a décidé autrement. Et mon amour pour ton grand-père n'a fait que grandir et je n'ai jamais eu à faire le moindre compromis. Nous étions faits pour être ensemble. Cela me réconforte de savoir que tu auras toujours un endroit où te réfugier si tu décides de garder la maison. Tu sais que je t'aime plus que tout, ma chérie. Et je peux t'assurer que tu me manques déjà, quel que soit l'endroit où je me trouve aujourd'hui. Ta grand-mère qui t'embrasse tendrement. Votre magasin change de look. C'est vraiment super, regardez. Oh, c'est fou. Qu'est-ce qu'on est beaux tous les deux. Cette photo est géniale. C'est vrai qu'elle est réussie. Qu'est-ce que vous êtes choux tous les deux. Et regardez ce qu'il y a derrière. Oh, mais c'est Aaron et toi. Vous êtes magnifique. C'est exagère. Cole. Hé, hey Cole, viens voir les photos. On dirait de vrais top modèles, c'est super. Franchement, ça paraît surréaliste de se retrouver dans un magazine comme ça. Qu'est-ce qui se passe? L'article d'Anna est sorti. Oh. Mais tu ne veux pas le lire? J'en sais rien. Il faut que tu le lises, chérie. Oh, maman. On te remplace au magasin. Mais prends le temps de le lire. Je crois que je sais ce que j'ai à faire. Ah, mais arrête avec ton sale caractère. Lis l'article et tu te rendras compte qu'elle t'aime. Quoi? Lis l'article. Oui, c'est bien. Un oignon rouge, un autre, oui. Des bananes? Oui, concours. Des pommes de terre. Oui. Alors, Cole? Il est chouette, cet article. C'est une bonne journaliste et vous deux, vous êtes devenus des héros romantiques. C'est vrai ce que tu dis. Tu l'as lu jusqu'à la fin? Oui, jusqu'à la fin. Ok, donne-le-moi. Je cite ce qu'Anna a écrit. « On ne peut s'empêcher de se demander si le mariage des Walker est l'exception qui confirme la règle. Une sorte d'anomalie dans notre monde d'aujourd'hui. Mais quand vous rencontrez leurs enfants, qui, malgré les épreuves de la vie, ont refusé de succomber au cynisme, et que vous passez du temps avec eux, alors vous devenez à votre tour un inconditionnel de l'amour éternel. Cette fille t'aime. » C'est pas ce qu'elle écrit. Il faut que tu ailles la voir. Il faut que je réfléchisse. Chérie, que tu aies peur, c'est logique. C'est une grande étape que tu dois franchir. Mais ça en vaut la peine. Anna est une fille formidable. J'ai pas son adresse à New York. Je suis sûre qu'Aaron a ses coordonnées dans ses dossiers. Je vais lui demander de te les envoyer. Vas-y. Vous allez vous débrouiller ici? Évidemment, chérie, vas-y. Mais bien sûr, allez, sauve-toi. Sauve-toi, je te dis. Bonne chance, trésor. Idéalement situé. Anna?
Bonjour, Aaron. Mais qu'est-ce qui t'arrive? J'ai changé d'avis, je veux plus la vendre. Mais je croyais que... Je suis désolée, je sais que c'est dingue, c'est sans doute de la folie, mais j'ai décidé de vivre ici, dans ma maison. Mais je croyais que nous nous étions mis d'accord sur... Y a rien qu'on puisse encore faire? Eh bien, ils n'ont pas encore signé devant le notaire, puisqu'ils voulaient revoir la maison une dernière fois. Ce qui veut dire que... Je vais les convaincre de ne pas acheter. C'est ce que je voulais, merci beaucoup. Ça va aller. D'accord. Je suis désolée, il y a un petit changement de programme, la maison n'est plus à vendre. Désolée. La clé est restée coincée dans la serrure. Je suis revenue pour toi. Anna, je sais que je te dois des excuses. Oh non, je t'assure. Bien sûr que si. Je sais que t'aurais jamais publié ce que t'avais écrit sur Olivia et moi. Seulement quand je l'ai lu, un tas de choses m'ont traversé l'esprit. Je crois que j'ai eu peur de ce qui se passait entre nous. C'était plus facile de m'enfuir. Je suis vraiment désolée, Cole. Tu n'y es pour rien. Tu sais, j'avais pas prévu de retomber amoureux après Olivia. J'étais convaincu que c'était impossible. Et voilà que... Que tu arrives ici et... Et moi, j'arrête pas de penser à toi et j'invente mille excuses pour venir te voir. Tout en refusant d'admettre ce qui est vraiment en train de se passer. Nous deux, nous existions bien puisque nous éprouvions des sentiments l'un pour l'autre. Bon, en résumé, je crois que je suis amoureux de toi et je ne veux vraiment pas que tu partes. Je te demande de rester. Tu sais, j'ai passé tellement de temps à essayer de me convaincre que ce que je ressentais pour toi n'était qu'un feu de paille condamné à s'éteindre, parce que je n'avais connu que des échecs. Mais plus je passais de temps avec toi et avec ta famille, et plus je me sentais ici chez moi. Et c'est là que j'ai commencé à me dire que j'avais tort. Tu étais différent. C'était possible que tout puisse être différent. Alors je vais rester ici avec toi.